Ah, la vidéo n'a pas encore commencé que je vais déjà me plaindre, frérot. Il fait trop chaud. Il fait absolument chaud. C'est incroyable. C'est une chaleur de... Il fait trop chaud. C'est bon, on a compris qu'il faisait chaud, mais il fait vraiment très chaud. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, si tu sens qu'il fait trop chaud, imagine la chaleur de l'enfer. Frérot, qui t'a dit que moi, j'irai en enfer? Potion magique, l'eau, sirop, pas le temps de niaiser. Vida boa, man. Eu amo essa vida, man. Eu amo, eu adoro essa vida. Je sais pas si vous arrivez à voir le bout du micro qui dépasse. C'est parce que mon micro-cravate m'a encore lâché. Du coup, j'ai dû prendre ce micro et le mettre ici. Bon, bref, j'ai stoppé de... Je vais arrêter de blablater et je vais commencer la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un projet que j'ai là, d'apprendre à faire quelque chose pendant un mois. Alors, je sais que ma dernière vidéo où j'ai parlé de faire quelque chose pendant un mois, je n'ai pas fait de vidéo finale pour dire si j'ai réussi le défi ou pas du tout. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, le truc, c'est que... Si j'ai pas fait de vidéo finale pour la vidéo de où je vis avec moins de 100€ par mois, c'est parce que tout simplement j'ai pas réussi, les frères. J'ai pas réussi. Pourquoi j'ai pas réussi? Parce qu'en fait, je suis parti en vacances. En plus, c'était pas prévu du tout. Je suis parti en vacances et voilà. D'ailleurs, les vidéos sortiront dans 2 ou 3 semaines parce que là, vu que c'est pas encore la période des vacances, ça ne sert strictement à rien de publier les vidéos sur les vacances, tu vois. Ah ouais, en plus, là, c'est la période du bac. Donc, force à tous ceux qui passent le bac. On n'est pas du tout ensemble. Là, on n'est pas du tout ensemble. Oh. Ah non, plus sérieusement, en plus là, ça a changé. C'est encore plus facile d'avoir le bac parce que c'est les notes du contrôle continu et tout, blablabla, blablabla. Carrément, il y a des gens qui se permettent de rendre des copies blanches. Tu te permets de rendre une copie blanche. Tu t'en fous parce que tu sais que t'as validé, toi. Non. Monsieur Castex, nous, on a souffert. Alors, je ne vois pas pourquoi les 2000... c'est les 2000 quoi qui passent le bac. Alors, je ne vois pas pourquoi les 2004 ou les 2003 ne souffrent pas comme nous. Je ne suis pas jaloux, mais c'est juste que... Faut souffrir aussi dans la vie, tu vois. Là, faut souffrir. Oh, c'est bon. Surtout le cours d'histoire. Je crois que j'ai appris au moins 50 pages en une seule journée. Tu vois. J'ai tout appris et j'ai même pas eu la moyenne. J'ai eu 9. Et le pire, c'est que je sais pourquoi j'ai eu 9. C'est parce que j'ai confondu résistant et révolutionnaire. Tu vois, j'étais en train de chercher le mot résistant dans ma tête et je sais pas, il a disparu. Comme ça. Il a disparu, résistant. Du coup, j'ai mis révolutionnaire partout. Révolutionnaire. J'ai eu 9. J'aurais pu avoir 15, mais j'ai eu 9. Et voilà, aujourd'hui, je suis là, je fais des vidéos sur YouTube. J'ai pas d'avenir, les frères. Voilà. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo, là, mardi ou mercredi ou je sais pas quoi, sur le bac. Voilà, je sais que je force un peu, frérot. J'ai bientôt 25 ans et tu parles encore du bac, frère. Tu veux qu'on gifle? Non, je rigole, je vais pas sortir une vidéo sur un frère. J'ai 24 ans quand même. C'est bon, c'est fini ça. C'est fini. Bref, je vais fermer cette parenthèse. Je vais vous parler de la vidéo d'aujourd'hui. Il y a quelques mois, j'ai été contacté par Jellynut. Alors Jellynut, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme pour apprendre la musique tout simplement, jouer des instruments et tout, tu vois. Va jeter un coup d'œil et tu vas savoir ce que c'est. Bref, j'ai été contacté par Jellynut pour que j'apprenne à jouer d'un instrument. Alors là, je me suis dit, comment est-ce qu'ils sont au courant que j'ai toujours voulu apprendre à faire un truc, à jouer d'un instrument, je sais pas, de la batterie, guitare, piano, j'ai toujours voulu faire ça, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'apprendre. Si, j'ai déjà eu l'occasion à l'église, mais moi, quand j'allais à l'église, frérot, j'y allais, je rentrais direct. Non, bref, blague à part, voilà, j'ai jamais eu l'occasion d'apprendre à jouer un instrument, et là, c'est une occasion en or, puisque je vais apprendre à me
perfectionne. Je sais plus comment on dit, on s'en fout. Le français, ce n'est pas ma langue maternelle, si vous le savez très bien. Le français, j'ai appris le français il y a 10 ans. C'est quand même beaucoup. Non, plus sérieusement, là, dans un mois, vous allez voir que je serai un pro. Là, j'ai trop hâte parce que je me suis toujours dit que ce qui me prend le plus de temps sur mes vidéos YouTube, c'est le choix de la musique. Parce que moi, j'ai une idée bien précise des musiques que je veux. Et j'ai perdu les... Je sais plus ce que je voulais dire. Je disais les musiques. Et le choix de la musique, franchement, c'est ce qui me prend le plus de temps. Même aujourd'hui, c'est ce qui me... Vraiment, c'est ce qui me prend le plus de temps. Ça peut me prendre même 5 heures, tu vois. Au bout d'un moment, j'en ai marre et je choisis juste une musique au hasard parce qu'il n'y a pas vraiment la musique que je veux dans ma tête, tu vois. Parce que dans ma tête, j'ai la musique que je veux. Mais sur le site où je prends toutes mes musiques, il n'y a pas la musique que je veux. Et là, j'ai enfin une vraie chance. Mec, pas le temps de niaiser. Bon, je suis droitier. J'ai appris comment bien positionner la guitare. Parce que ça compte aussi, tu vois. En fait, qu'on soit droitier ou gaucher. Tu veux saboter ma vidéo, rageux. Bon, calé note, merci beaucoup. En plus, Yamaha. Vous avez compris, j'ai un mois pour apprendre à jouer de la guitare. Ah là là. Alors, je vais pas apprendre tout seul. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas jouer de la guitare. Donc, je vais pas apprendre tout seul. Je vais pas dire à mon cerveau, faut que tu apprennes tout seul. C'est pas logique. Du coup, je vais apprendre avec qui? Avec Jelly Note, mon pote. Et là, je suis en train de regarder les vidéos de Jelly Note, mon pote. Si vous tenez votre guitare à l'endroit, les cordes les plus graves sont en haut. On les appelle les basses. Les cordes aiguës sont donc celles du bas. C'est pratique parce qu'on va jouer les basses avec le pouce et les mélodies ou les accords avec les autres doigts. Bon. Là, carrément, je suis en train de tourner la vidéo le lendemain parce que c'est plus le même jour que là, tout à l'heure. Là, tu vois. Là, c'est un autre jour. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte quand j'ai tourné la fin de la vidéo, le micro m'a encore lâché. Bah, ce micro-là, là. Juste pile au moment où je tournais la fin. Du coup, je suis obligé de retourner la fin. Franchement, faire des vidéos YouTube, des fois... C'est fatigant. Heureusement que j'aime bien. Bref, ce que je voulais dire à la fin, c'est que là, comme je vous ai dit, j'apprends à faire de la guitare. Alors, ce que j'ai appris, c'est que il existe des touches dans les guitares. Je ne savais pas du tout. Pour moi, les touches, c'était que dans les pianos et tout. Il existe des touches. Là, tu dois caler ton index. Et tu le cales bien entre cette barre. Et voilà, bref. Tu le cales sur la corde comme ça. Et regarde que le son n'est plus du tout le même. Ah, tu vois? Regarde, avant c'était ça. Et là maintenant, regarde. Bref, comme vous avez compris, j'ai donc un mois pour apprendre à jouer de la guitare. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça? Et tant mieux, parce que j'ai toujours voulu jouer d'un instrument. Et là, c'est une chance pour moi. Voilà, je vais le faire. Du coup, si vous aussi vous êtes intéressé, que vous avez toujours voulu apprendre à jouer d'un instrument, je vais vous mettre le lien d'affiliation qui se trouve juste dans la barre de description. Comme ça, voilà. Vous prenez votre abonnement, vous allez apprendre à jouer de la guitare, du piano, comme vous voulez, où vous voulez. Si vous voulez apprendre chez vous, dans votre chambre, c'est vous qui voyez, vous êtes complètement libre. Si vous voulez apprendre dans le métro, c'est vous qui voyez. Et aussi à condition de ne pas déranger les autres, c'est très important. Bref, c'est le moment pour moi de vous quitter. Franchement, ça m'a fait plaisir de refaire une vidéo face cam parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo comme ça face cam. Et franchement, c'est pas mal du tout, je kiffe. Et voilà, moi en tout cas, je vais partir parce que je dois aller regarder un match en bas. Et moi, je vous laisse. Tchuss. Piouf.